Ok, la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, Dieu merci, ça va. C'est le problème de chez nous, on ne va pas se taire. Hein. On doit en parler chaque jour. Pour que les gens là sachent qu'on ne dort plus maintenant. On ne dort plus maintenant, ça c'était avant. Quand il vient s'asseoir seulement derrière leur table là, mentir seulement pour venir nous donner. Ça, c'est fini. On n'est plus dans cette époque-là maintenant. Nous, on est là dès que vous préparez votre sorcellerie-là. Nous, on est là à dégager ça. On ne va pas vous laisser maintenant le temps de manipuler nos parents. Ça, c'est fini. La famille, attendez, je vais vous montrer d'abord la photo avant que je commence à parler l'affaire là d'abord. Attendez. Parce que... Attends, je vais agrandir bien. Vous-même, regardez. Regardez la photo de votre président. Les gens de RPG là. Parce que nous qui parlons de la même chose là, c'est pas notre président. Hein. Vous qui dites que c'est lui, regardez son visage. Est-ce que quelqu'un comme ça là, quelqu'un comme ça là peut gérer maintenant votre pays? On n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un comme ça là, hein? Il est arrêté comme ça là, c'est parce qu'on lui a donné un médicament pour qu'il va avoir même la force de prendre la photo là. Regardez bien. Hein? Donc, visage comme ça là, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va partir, c'est le bon Dieu. Vous allez vous asseoir, attendre sa mort. Ces entourages là même, c'est à vous que je m'adresse. C'est-à-dire, il ne faut pas aimer l'argent jusqu'à regarder ton ami. Tu sais que là où il est fatigué. Il ne peut pas tenir quelque chose maintenant. Mais tu lui gardes seulement parce que tu veux manger l'argent des pauvres populations. Ils sont là, des pauvres populations sont là à souffrir. Un vieux comme ça là, au lieu de vous dire la vérité, vous allez faire comme si ce que vous avez fait encore avec Conte. Gardez le corps de Conte jusqu'à décomposer. C'est ça que vous voulez faire encore avec Alpha. Vous êtes là-bas en train de lui donner médicaments seulement. Regardez sa photo là, la famille. Vous-même, regardez bien sa photo. Tout ce qui se passe maintenant là, en Guinée, ça c'est pas l'ordre de Alpha. Alpha même est en prison avec les bandits, ses entourages là même. C'est la vérité que je vous dis. Lui-même, il est en prison comme ça. C'est comme si on te prend, on te dit, il faut t'asseoir ici. Tout ce qu'on va faire là, toi tu vas dire seulement oui. Les gens vont croire seulement que c'est toi. Parce que ses entourages qui sont à côté de lui là, et ils sont plus sorciers, plus sataniques que même Alpha. Sinon, si c'est les gens qui sont conscients, qui croient à Dieu, ils devraient marcher sur le bon chemin. Un message à le premier ministre. Il vient de perdre sa fille. Là où la pauvre soeur là est partie, que Dieu lui donne le paradis parce que elle est innocente. Mais son papa là même, il faut t'asseoir, c'est pas quelqu'un qui a tué ta fille, c'est Dieu même qui a appelé ta fille à côté de lui. La douleur de ça d'abord, ça fait mal. Et vous êtes dans le pays en train de tuer les enfants des autres, en train de mettre les enfants des autres en prison.
maintenant, aujourd'hui, Dieu a appelé pour toi là. Il faut, toi-même, il faut penser à la douleur, partager la famille. Moi, je serai là chaque jour à vous dire la vérité. Je vous ai dit que je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais qu'un jour, je vais partir. On est dans cette ère-là, c'est pour un temps. Même si tu gagnes milliards, comment, tu vas partir un jour. Laisser les milliards. Donc, si tu ne dis pas la vérité à un être humain, pour aller t'arrêter devant Dieu, non. Tout sauf ça. Donc, je vais vous dire mes quatre vérités avant que la mort me prenne. Parce que j'aime mon pays. Et tous ceux qui vont laisser la Guinée là derrière, je vais toujours vous combattre. Je ne suis pas là pour l'argent. Mon petit salaire que je prends, ça me suffit. Mais la Guinée, c'est pour nous tous. Il faut qu'on se dise la vérité pour que le pays là avance. Pour que le pays là avance. Trop de souffrance au pays. Donc, Premier ministre, toi-même, il faut t'asseoir. Tu vas réfléchir sur ça. Tuer les enfants des autres là, vous pensez que ça fait pas mal? Vous pensez que ça fait pas mal? Maintenant, Dieu a appelé pour vous. Tout ça là, Dieu fait des choses pour que tu prends la douleur là, tu penses à lui que je suis là, il est capable de faire tout. Il est capable de faire tout. Ça, c'est le bon Dieu. Si tu es méchant là, il va t'envoyer quelque chose un jour. Quand toi-même tu penses dans ça là, tu vas dire, si tu ne changes pas, c'est que tu ne vas plus changer. Donc vous, les entourages de Alpha là, commencez à Premier ministre jusqu'à Z là. Donnez-nous la paix, la paix du cœur. Trop, c'est trop. Mettez dans vos têtes que vous allez partir un jour. Et la Guinée, c'est pour nous tous. On doit faire quelque chose de bien pour avancer le pays là. Ne mets pas le pays là en pagaille. Et puis, quand c'est chaud maintenant, vous allez prendre vos vols, venir vous pousser par là. S'il vous plaît, pensez à les orphelins au pays. Pensez à les gens qui n'ont même pas là où, quelle porte où taper pour manger. La Guinée, c'est chez nous. On doit se donner la main pour avancer. Si on ne se dit pas la vérité, si on veut continuer dans le mensonge, quand quelqu'un veut vous dire la vérité, vous passez des mille problèmes pour fermer sa bouche. Si l'intéressé ne prend pas l'argent, vous allez l'enfermer jusqu'à... Il va passer toutes les souffrances dedans jusqu'à mourir. Parce que tout simplement, vous voulez seulement qu'il suive votre sale comportement. Où vous voulez mettre la Guinée? Un vieux qui est déjà fini comme ça là. Pourquoi vous voulez lui garder là-bas jusqu'à sa mort? Ça, c'est quelle sorcellerie ça? On dirait que vous ne la route là. Si c'est pas quelqu'un qui va vous tuer, Dieu ne va jamais vous appeler. C'est là-bas chacun de nous va terminer. Donc si quelqu'un te tue même, demain c'est lui qui va s'arrêter devant toi là-bas. Pour t'attendre. Donc s'il vous plaît, vous les entourages là, des Alpha. Donnez le pouvoir là, nous on va quitter ici. Il n'y a rien dans vos têtes là. Vous ne connaissez absolument rien. Vous n'avez pas, c'est-à-dire vous êtes zéro. Il n'y a rien dans vos têtes. Pour avancer ce pays-là, donner le pays-là à les gens qui ont la possibilité de bouger l'autre pays pour nous. Parce que le comportement, le seul travail que vous connaissez seulement là-bas, c'est pour voler l'argent-là. Allez faire des belles vidéos là. Il n'y a pas un
chose, quand ils parlent, les voix dans l'air courent là-bas. Là. Ils n'ont rien à te dire. Pas de relation par là. Rien. C'est seulement s'asseoir avec des gros téléphones là, mentir seulement aux pauvres familles. Quand ils les voient par là, là même, tu as pitié de eux. Quand ils les croisent par là, la famille, ils sont là-bas en train de vous faire les foyas là. Il faut les revoir par là. Quand ils les voient par là, ils sont rien de tout, rien. On ne les connaît même pas. Si c'est des, c'est ministre de quelqu'un, d'un pays. Ils sont zéro comme ça par là parce qu'ils n'ont même pas de choses, comment dirais-je, de connaissances par là, ni rien. C'est l'argent là seulement que quand ils volent pour venir se coucher par là, là. C'est ça là seulement qui les fait grandir. Mais le jour où l'argent là finit là, il faut les revoir. Tu les vois même, tu as envie même de les mettre quelque part, comme les clochards qui dorment sur la route ici là. Donc donnez le pays, donnez le pouvoir là à votre frère qui est intellectuel, qui est intelligent, qui connaît la Guinée mieux que vous. Qui connaît la Guinée mieux que vous. Depuis votre arrivée là, c'est quel plan que vous avez fait la Guinée que nous tous on peut dire oui, ça c'est quelque chose que les groupes là ont fait, que c'est incroyable. Rien, rien de tout. Avant votre arrivée même, la Guinée était bonne. Mais depuis que vous êtes venu au pouvoir là, c'est comme si tu viens trouver quelque chose qui est comme ça là. Tu n'as pas pu arranger, mettre direct comme ça. Tu soulèves encore plus haut. Vous êtes venu mettre la Guinée encore au fond comme ça là. Ça fait pitié. Là où Alpha est là, vous lui droguez seulement là-bas. Donnez drogue seulement à Alpha Condé pour qu'il puisse signer l'argent, les papiers pour vous, pour que vous allez prendre ça. Faites comme si vous faites comment vous ce que vous voulez. S'il vous plaît, libérez la Guinée pour nous. Nous on veut avancer. Parce que les générations qui sont là-bas, nous qui sommes par là, hey, nos yeux sont comme ça. On voit des choses nous-mêmes. Nous-mêmes, ce que nous, on connaît, notre génération la connaît aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous manipuler. Les gens que vous les manipulez là-bas, là, hey, parce qu'ils ont faim. Ils n'ont rien pour manger. C'est pourquoi ils vous suivent comme ça. On ne peut pas nous manipuler maintenant. Ça, c'est fini. Le monde d'aujourd'hui là, le monde d'aujourd'hui là, vous ne pouvez pas. Donc ce qui est la solution seulement, la seule solution seulement, donnez le pays là à notre président pour que vous allez venir vous pousser là-bas avec l'argent que vous avez pris là. Parce que vous tous vous êtes prêts comme ça là, là où vous allez vous casser. Vous ne dormez même pas. Vous-même, vous souffrez comme ça là, parce que il y a méchanceté là. Si tu es dedans en train de faire, tu ne dors pas. Vous-même, vous êtes là-bas en train de souffrir comme ça là, parce que baissez là même, quand vous vous poussez là, vous ne dors pas. Donc, donnez le pays là à le propriétaire qui a gagné là, pour que nous on avance. Nous, on avance. Quand vous regardez toutes les races qui sont en Guinée, là, regardez Conakry d'abord, les états et les humeurs et les bonnes côtés qui sont là-bas. Là. Partout où tu touches, on va te dire que c'est pour un peuple. C'est pour un peuple. Si le peuple n'aimait pas la Guinée, il allait partir construire les jolis états là, en Guinée. Là où on aime, là, c'est là-bas qu'on construit.
Là où on aime là, c'est là-bas on envoie des bons projets. Là où on aime là, c'est là-bas on fait des bonnes choses. Donc, réfléchissez la famille. Quelqu'un qui vient faire des bons travaux comme ça là, c'est lui. Pourquoi ne pas lui donner le pouvoir? Il n'a pas gagné le pouvoir de, mais le travail qu'il a fait dans le pays là, on a qu'à se dire la vérité, le travail que les peuples ont fait dans le pays là, en Guinée là, quelle race qui a fait ça? Même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais ce qu'il fait du bon côté là, il faut parler ça. Moi, vous allez, le jour où moi je vais partir là, vous allez venir voir mes vidéos là. Parce que je ne suis pas là pour prendre l'argent avec quelqu'un. La Guinée, c'est ce moi. Si je ne dis pas quelque chose qui est bon dedans là, je ne vais pas dire quelque chose qui est mauvais dedans. Donc, si vous avez peur de dire la vérité, moi je serai là chaque jour à vous dire la vérité. Quelqu'un qui vient construire des bonnes choses, qui vous envoie des bons arrêts pour nourrir la population. Vous-même, quand ils ferment leur boutique là, vous êtes là à souffrir comme ça là. Si quelqu'un, si les gens comme ça là viennent au pouvoir, ils vont faire quoi comme du mal au pays, si c'est pas pour arranger. Si c'est pas pour arranger. Nous tous, on est là aujourd'hui en train de voir les gens qui ne travaillent pas, on les insulte. Ils ne vont pas venir faire quelque chose qu'on n'aime pas. Ils n'ont pas au pouvoir d'abord. Ce qu'ils font pour la Guinée, c'est trop. On n'a qu'à donner la chance à chacun de nous. Quand les tressés à la méchanceté, là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, la famille. Rien. C'est zéro seulement. Vous êtes dans ça seulement. Vous avez pris vos pieds là et vos bouches là. Mettre sous là-dessus comme ça. Vous-même, vous n'avancez pas. On est là calé comme ça là. Ça veut dire quoi? Ça, c'est quelle méchanceté ça? Ça, c'est quelle sorcellerie ça, la famille? Un vieux qui est déjà fini comme ça là, laissez-lui au moins se reposer. Mettez dans vos têtes que là, le petit temps que vous avez fait à côté de lui là, pour vous là c'est bon. Laissez la place à votre frère aussi de gérer. Gourmandise là, il n'y a rien dedans. Quand le soleil de quelqu'un brille là, laissez l'intéresser faire son temps. Il n'est pas venu, il est venu trouver que les gens qui étaient là-bas là, leur temps sont passés. Donc lui aussi son temps va passer. C'est pas une place que quand tu t'assois dedans là, c'est jusqu'à la fin du monde, c'est pas ça. Chacun a son temps. Il faut qu'on se laisse chacun faire son temps. C'est ça la vie. Arrêtez de faire la méchanceté. Là où Alpha est comme ça là, il est fini. Vous-même regardez, il est fini comme ça là. Le jour où j'ai vu la photo là, moi-même je me suis dit que j'ai dit non, ça là c'est ses entourages maintenant qui dirigent le pays. Ils droguent seulement Alpha Condé pour faire du n'importe quoi. C'est eux-mêmes maintenant qui mettent à gouverner autrement là. Ça veut dire quoi? C'est quand ils se lèvent le matin, ils se voient comme ça. Alors on va faire comme ça, on va mentir seulement au téléphone comme ça là pour ne rien. Les pauvres parents sont là à souffrir. S'il vous plaît, libérez la place pour nous. Nous, on a des bonnes choses. On a besoin de courant au pays. Le courant là seulement, nous, on a besoin de ça. Si nous, on a ça là 24 heures sur 24, vous allez voir même le gouvernement, on ne va pas lui déranger. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont rentrer au pays comme ça là. S'il vous plaît, vous-même, réfléchissez bien. Mettez dans vos têtes que la Guinée, c'est pour nous tous. On doit faire quelque chose de bien. Ça fait honte quand tu vois c'est les autres et que tu regardes, c'est toi. Ils se comportent comme si les gens qui... Comme si
C'est-à-dire la Guinée, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas été... Les gens qui vivent dedans, ils n'ont jamais été à l'école. On part à l'école pour quoi alors? Hein? On se comporte dans le pays, on dirait qu'on n'a jamais envoyé... on n'a pas école en Guinée. Et pourtant, il y a les intellectuels chez nous, il y a les diplomates chez nous là. Quand ils les croisent même ici là, non, ils sont partout comme ça. Mais quand le pays est comme ça là, on ne peut même pas voir les diplomates, les zéros comme ça qui ont terminé leurs études seulement à 6e année. Brevet et examen les a foutus comme ça là, ils n'ont pas terminé. Ils viennent s'asseoir comme ça là avec leur gouba. Mettre notre pays là seulement en retard. Dégagez là-bas pour que nous on avance le pays là, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes couché dans votre lit là-bas, en train de me regarder. Moi, je n'ai pas peur. Je viens de Massanta, fille de Zérégoué. Ma maman Gerze, mon papa Thomas. Donc, je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Je serai là chaque jour à vous dire mes quatre vérités. Libérer la place pour nous, pour qu'on avance le pays là. C'est ça que nous on veut. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donnez-vous la main, la famille. Donnez-vous la main, c'est l'union qui fait la force. Ne suis pas les satans qui sont là-bas. Leur parole, c'est nous diviser. Leurs propos qui vont sortir, 10 ans, c'est pas 10 jours. Leurs propos qui vont sortir dans leur bouche, commencer aujourd'hui là jusqu'à leur fin de départ là. Ne regarde pas, ne les suis pas. Il faut qu'on se donne la main. Personne ne peut chasser son ami au pays. Personne ne peut chasser son ami au pays. Donc, c'est seul la paix et l'amour. Il ne faut pas qu'on laisse personne nous diviser. Il faut qu'on leur dise ça maintenant, matin, midi, soir. Tu viens, tu nous donnes pas la joie. Il ne faut pas nous séparer. Laissez-nous comme ça. Il y a l'enfant maintenant entre nous. Les gens se sont mariés entre eux. Personne ne peut nous séparer. Si tu ne peux pas faire bon travail pour nous là, il ne faut pas venir nous séparer. Il faut qu'on leur montre ça, la famille. Il faut qu'on appuie ça maintenant. Pour que le pays là avance. Pour que nous tous, on en bénéficie. Donc, le message de ce soir, c'était ça. Je m'arrête ici. Ça finit pas. Quand je quitte au travail seulement, tant que les malhonnêtes et les satans là sont là-bas, moi, je serai là chaque jour. Chaque jour à vous parler. Même si mon président Selouda vient encore, je serai là encore à contrôler ces entourages-là. Tu ne fais pas un bon travail là. On va en parler ici. Ils vont te changer. C'est ça qui est la vérité. On est prêt maintenant pour que le pays la bouge. Tu veux, tu ne veux pas, on va parler ça ici. Ce n'est pas toi qui paye mes choses ici là. Je travaille ici dur pour payer mes billes ici là. Donc mon internet là, c'est moi qui paye. Je viens, je mets seulement, je vous dis mes quatre vérités. Donc c'était ça. Bijoux mes amours, je suis du cœur avec vous. Que Dieu nous donne longue vie. Que Dieu vienne à l'aide, prier la famille. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on se donne la main. C'est l'union qui fait la force. Donc c'était la voix de votre soeur, de votre fille, de votre grande soeur. Je suis de cœur avec vous. Les zéros qui viennent, écrire les commentaires zéro là ici. Ça c'est votre problème. Vous-même, vous êtes dans le noir là-bas. Vous n'avez même pas un sou pour manger. Laissez-nous parler pour qu'au moins la vie de la Guinée change, pour que vous allez gagner travail. Et puis nourrir les pauvres papas et les pauvres mamans qui ont souffert derrière vous là. Vous allez quitter derrière eux à faire mangialagi là. Donc c'est ça. Donc bisous à mes amours, tous ceux qui ont partagé la vidéo, je suis de cœur avec vous.